Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Vous faites un Windows E, combinaison de touches, et bien vous allez directement dans Picture. Lorsque vous êtes dans Picture, vous avez Capture d'écran. Là, vous avez toutes les captures d'écran que j'ai prises, et ça, c'est la dernière que je viens de prendre. Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel est à propos d'une capture d'écran. Comment prendre une capture d'écran? Surtout, il y a plusieurs façons de prendre une capture d'écran manuel, chose que nous allons voir à la suite, et surtout les combinaisons de touches de votre clavier qui vous permet de prendre une capture d'écran assez vite, très rapide. Les captures d'écran ont pour but de vous aider à prendre des notes plus rapides. C'est-à-dire que vous remplissez un formulaire en ligne, vous avez besoin de preuves que vous l'avez fait. Il faut savoir que les captures d'écran, comme si vous avez pris une photo de votre travail. Si vous souhaitez vous lancer dans la création des documents texte et images. La première façon que nous allons voir, c'est la façon manuelle. Ensuite, on passera au raccourci clavier, les combinaisons de touches. Vous vous placez dans la barre de recherche de Windows, vous tapez tout simplement capture d'écran, ok, comme ceci. Je vous prie de vous abonner, merci. Et voilà, vous aurez ceci, capture d'écran et croquis. Application. Celle-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que vous avez les combinaisons de touches et plein de astuces qu'on va voir. Lorsque vous arrivez ici, l'outil se présente comme ceci. Vous avez la flèche, vous cliquez là-dessus, vous voyez, capturer. Maintenant, vous avez l'option nouveau. Lorsque vous voulez prendre une capture d'écran, cette option va vous être utile. C'est là qu'il faut commencer. Et vous avez ces trois barres-là aussi qui vous permettent d'ouvrir un fichier. Envoyer des commentaires, les paramètres. Les paramètres, si vous voulez faire un tour pendant qu'on y est, c'est ceci. Vous lisez au fur et à mesure. Il y a plein de choses qui sont désactivées. Si vous voulez, vous les désactivez. Fusionner plusieurs fenêtres. Voilà, ça se complique des fois. Mais moi, je veux pas compliquer la chose avec vous. Je veux faire la chose la plus simple. Ici, vous voulez prendre une capture d'écran. Hop, vous faites nouveau. Vous cliquez sur nouveau. Si vous n'avez pas vu, mettez la vidéo en pause. Et vous avez le curseur. Avec cette fenêtre là, ça c'est pour agrandir, fermer ou autre chose. Ici vous avez les curseurs avec la petite croix, donc vous pouvez dire plus. Ça vous permet de prendre la partie que vous voulez sur l'écran. C'est pas la manière de coupage, on va voir tout à l'heure l'autre façon. C'est-à-dire que moi je vais récupérer que la plante. Admettons que je veux récupérer que la plante. Je sélectionne la plante, ok, vous vous placez ici. Une fois que vous lâchez le curseur, la capture sera faite. Ok, je prends la plante A à Z. Ok, et la capture est faite qui va vous positionner ça là comme ceci. Eh bien, là vous avez pris une image, c'est comme si vous avez pris une photo, mais sauf que c'est une capture d'écran que vous avez prise. Si vous voulez prendre une nouvelle capture, vous cliquez sur nouveau. Mais avant de prendre nouveau, il faut bien enregistrer ce que celle que vous avez prise. Si vous voulez mettre des choses, par exemple, mettre de l'écriture. Vous cliquez sur les stylos là. Ok, il y a plusieurs types. Vous prenez la couleur que vous souhaitez. Si on prend le bleu, là par contre, vous pouvez écrire par exemple capture. Je vous prie de vous abonner, merci. Ça, c'est l'épaisseur du stylo que j'ai pris, mais vous pouvez rendre ça plus fin. Je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Pour plus, ça a été fait brièvement. Vous pouvez mettre vos légendes, ce que vous voulez. Et si vous voulez aussi, vous pouvez supprimer, par exemple, admettons que vous mettez ça là. Voilà. Vous voulez supprimer. Vous avez la gomme qui est ici. Gomme. Vous cliquez là-dessus et vous venez, la chose disparaît. Vous pouvez zoomer aussi. Ok, vous avez la barre. Et vous pouvez afficher en taille réelle si vous avez mal zoomé. Une fois fini, avec ceci, vous pouvez l'enregistrer quelque part. Par exemple, ici, vous avez la possibilité de faire ceci. Puis pour aller l'insérer dans votre document, texte ou autre chose. Donc là, je peux dire capture. Vous tapez ce que vous voulez, mais moi, je mets ceci. Quand on... Bon, là, vous choisissez l'endroit où vous voulez le placer. Maintenant, c'est en PNG, vous pouvez le mettre en GIF et en JPEG, en JPG. Donc, je vais le laisser comme ceci. C'est très simple. Là, j'ai que les fichiers qui ont l'extension JPG. C'est pour ça que
Là, vous avez votre fichier. Si vous allez où est-ce que j'ai mis ceci, vous allez voir l'image que je viens de prendre. Donc, on va voir ceci. Je vais dans Desktop. Là, souvenez-vous où est-ce que vous l'avez placé. Je mets dans Tuto. Je vais ici. Et voici ce que je viens de prendre. Ça, c'est l'image qui va s'afficher ici. Voilà. Partagez s'il vous plaît, merci. Là aussi, vous pouvez redimensionner ça avec des logiciels et tout. Mais là, vous avez votre image que vous pourriez insérer en disant cette plante est telle. Si je vais voir ici, je vais modifier l'image si vous voulez ici. Mais ça, c'est les lecteurs de Je vous prie de vous abonner, merci. d'image de Windows. Là, vous pouvez rajouter de l'écriture aussi si vous voulez. Vous les zoomez et autre chose. Donc, ça, c'est la première façon. Deuxième façon, après, on passe aux combinaisons de touches. Vous avez celle-là. Si, plus loin, vous marquez cap, dur. De toute façon, c'est déjà mentionné. Vous faites un espace, vous faites des grands. Vous aurez cet outil-là, qui est une autre application, mais qui est bon, similaire, pareil. Laissez un like plus un commentaire. Vous faites nouveau. Ici, vous avez la possibilité de choisir, par exemple, capture libre. Ça veut dire que là, par défaut, c'est comme ça. J'ai la possibilité de couper avec les ciseaux la partie que je veux. Vous pouvez aussi prendre rectangulaire, capture de fenêtre, plein d'écrans. OK. Ici, vous avez tout ceci. C'est à voir. Mais ça, c'est des choses un peu plus complexes. On va voir ça après. Parce que mine de rien, ce n'est pas qu'une capture. Capture d'écran, vous pouvez faire pas mal de choses avec. On laisse ça là. On fait nouveau. Nouveau, vous serez amené là. Avec l'écran qui est grisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tout simplement, que avec les ciseaux que vous avez vus, tout à l'heure, c'était une croix, c'est une plus, mais là, vous avez un ciseau. C'est-à-dire que vous pouvez découper la partie que vous voulez aussi. Mais bon, soyez, si vous êtes à l'aise en découpage, donc vous sélectionnez, ok, c'est ce que ça veut dire. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous allez prendre une partie comme ça, là, comme ça, vous pouvez changer la couleur aussi si vous voulez. Hop, la couleur du trait. Et boum. D'accord? Vous lâchez et vous avez la coupure que vous avez faite. Donc moi personnellement, bon là j'ai fait ça à la va-vite par rapport au tutoriel. Pareil, vous pourriez ajouter des légendes, le style de stylet, je peux personnaliser tout ceci. Voilà. Et là, vous venez, vous écrivez ce que vous voulez. Red capture. Là, c'est un peu plus compliqué. Je vous propose de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez un commentaire pour plus. Et là, voilà. Si vous voulez, vous pouvez supprimer de la même façon. Vous avez la gomme ici. Après, vous pouvez directement ouvrir ça avec Paint 3D. Plein de choses que vous pourriez faire. Et là, vous pouvez l'enregistrer. Pareil. Cliquez sur là. Par contre, vous devez vous rassurer que vous êtes bien dans le bon dossier que vous souhaitez placer. Là encore, vous avez la possibilité de placer la chose là où vous voulez. Par exemple, je vais dans tuto. Là aussi, vous pouvez mettre en HTML, tout ceci, les développeurs web, GIF, PNG, JPG. Donc, je laisse ça en JPG. Et par contre, je peux juste mettre capture d'écran. Je mets deux. Voilà. C'est bon. Là, vous avez pris une capture d'écran. La deuxième manière. Vous pouvez mettre vos choses. Pour supprimer, c'est pareil. Si vous voulez prendre
une nouvelle capture d'écran, ben, il va falloir cliquer sur nouveau. Avant de cliquer sur nouveau, n'oubliez pas d'enregistrer d'abord, parce que si vous faites nouveau, celle-là va disparaître, va laisser place à l'autre. Pareil, vous découpez, voilà. Si vous voulez qu'une partie, maintenant, mode, si on fait plein écran, capture plein écran, voilà. Donc, j'ai pris tout l'écran en complet. Donc, j'ai pas, voilà, tout l'image que j'avais là. Ok. Pareil, vous pouvez rajouter des choses. Pour, là, c'était un libre, rectangulaire, fenêtre. Donc, c'est la plein écran que j'ai vu pour là. Donc, je vais enregistrer ça. Je vais mettre le capture. Je fais un espace. Là, je mets 3. Et hop. Normalement, c'est cette façon-là pour la façon manuelle. Maintenant, voyons la façon avec les combinaisons de touches. Ok, j'ai fait un peu ceci. Je vais lancer le clavier visuel. Clavier visuel qui va être, ouais, clavier visuel, j'ai celle-là, pour vous montrer les combinaisons de touches sur le clavier. Combinaison de touches, celle-là va vous prendre complètement l'écran à tout ce qui est affiché dessus, y compris le clavier visuel qui est là. La combinaison de touches, c'est, si vous n'avez pas le temps de sélectionner et tout, vous n'avez pas l'utilité, vous maintenez la touche Windows enfoncée et vous allez vous taper imprime écran, donc IMP, ensuite écran, c'est ce que ça veut dire. Là, je cherche sur mon clavier, j'appuie sur cette touche-là. Si votre clavier est doté de cette touche-là, normalement oui. Ok, vous avez vu cet effet-là qui s'est fait. Maintenant, lorsque vous prenez de cette manière-là, ça vous le stocke directement dans Picture ou Image en français. Ok, pour aller le chercher, vous faites un Windows E. Ok, puisqu'on est dans les combinaisons de touches, eh bien vous allez directement dans Picture. Lorsque vous êtes dans Picture, vous avez capture d'écran. Ok, là vous avez tous les captures d'écran que j'ai prises et ça c'est les dernières que je viens de prendre. Ok, vous avez l'heure, donc ça c'est ce que, avant de faire le tutoriel, c'était le test. Vous l'avez ici, vous pouvez l'ouvrir avec le lecteur Windows. Là c'est la capture, vous pouvez modifier, envoyer quelque part, faire plein de choses. Vous pouvez enregistrer en tant que plein de, vous pouvez le copier, partager dans les paramètres, vous pouvez voir certaines choses avec ça. Ok, ça c'est la première. Capture, combinaison de touches. Deuxième combinaison de touches. Pour lancer l'outil de capture d'écran, vous maintenez la touche Windows, ok, enfoncée. Vous appuyez sur la touche Shift, ok, qui c'est la mage. Mais en principe, vous avez une flèche sur votre clavier qui fait allusion à Shift. La grande flèche vers le haut sur votre clavier. Là, j'ai pas la flèche, j'ai simplement Maj, donc qui veut dire majuscule. Donc là, c'est pour verrouiller le majuscule et vous appuyez sur S. Ok, vous avez l'outil qui est presque comme ça. Vous avez vu Windows, ceci et S. Ok, vous avez l'outil qui est lancé. Celle-là. C'est pareil, hein, c'est la première. On avait utilisé. Ok, Windows. Tiens, on y est. Shift et S. Là, vous avez ceci. Là, pareil, vous avez déjà vu. C'est ce qu'on a utilisé en premier, mais sauf que là, on a appelé avec une combinaison de touches. Ceci dit, vous avez la possibilité de prendre tout l'écran et de prendre qu'une partie. Donc, ce tutoriel a pris fin. Donc, je vous prie de vous abonner pour plus. Voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel de pas longtemps. Hein, voilà. Abonnez-vous pour plus.